Bonjour tout le monde, c'est Maddy. J'espère que vous passez un bon dimanche. Alors, écoutez, merci encore pour tous vos messages de soutien. Voilà, donc je vous ai déjà dit merci dans la précédente vidéo, mais je répète encore parce que y a toujours des messages qui interviennent entre-temps. Donc, merci beaucoup à vous tous, hein. Vous êtes vraiment super. Alors, je vais beaucoup mieux moralement, hein. Bon, voilà, c'est comme ça, il faut l'accepter, enfin, c'est ce qui s'est passé. Et donc, je vais reprendre mes vidéos de façon plus régulière et sur plein de thèmes, on va dire, puisque il y a plein de questions que vous vous posez. Il y a plein de choses en ce moment qui se passent dans l'actualité. On va commencer avec la question des incendies. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petites vidéos, ce que j'appelle les tirages éclairs, et à chaque fois, je vais prendre une question. Comme ça, vous pourrez regarder ce qui vous intéresse. Alors, les incendies, j'ai regardé un petit peu pour pas vous dire n'importe quoi non plus, puisque moi, j'étais en Croatie au moment où on a commencé à parler des incendies. Donc, il y en a eu en Gironde, hein, si j'ai bien compris. Il y en a eu en Bretagne, il y en a eu dans le Gard. Bon, alors, ça fait quand même beaucoup. Et puis, c'est vrai quand même que ces dernières années, on entend parler beaucoup d'incendies, pas qu'en France d'ailleurs, hein, aux États-Unis aussi, si je me souviens bien. Donc, on va regarder un peu ce qui se passe. Si c'est le hasard, hein, ça peut, hein, vous savez, bon, s'il fait très chaud, c'est vrai que ça peut, hein. Ou alors, si il y a des causes humaines, on va dire, hein. Donc là, j'étais en train de mélanger, avant la vidéo, mes différents jeux de cartes. Vous savez que j'adore le Dixit. Voilà, je vous montre l'état que j'ai, d'accord? Hein, voyez, voilà. Donc là, il y en a trois. Alors, c'est plus de 300 cartes, hein. Comme ça, c'est très bien, parce que je sais pas ce qu'il y a dedans. Et donc, je me laisse surprendre un petit peu par ce que je sors. C'est toujours bien. Il faut laisser l'intuition guider. Ah, bah tiens, il y a une carte du Béline qui... Alors, ça, c'est pas banal. C'est quoi? Ah, bah tiens. Alors, attendez, je vous assure, là, franchement, je ne sais pas comment cette carte-là, elle est arrivée là. Mais ça peut être déjà un indice en disant, par rapport au thème que j'ai choisi, les incendies, qu'il y a des ennemis. Donc, des gens mal intentionnés. Je sais vraiment pas comment est-ce qu'elle est arrivée là. Bon, les mystères de la voyance, on va dire, ok. Donc ça peut être un indice, hein. Donc il pourrait déjà y avoir des gens mal intentionnés, mais on va quand même poser la question. Là, il y avait la carte de la grossesse avec la croissance, d'accord. Donc je repose la question. Qu'est-ce qui se cache derrière les incendies? Est-ce que c'est, on va dire, des causes naturelles, hein, le hasard, voilà, le hasard, la malchance, ou est-ce qu'il y a autre chose? Voilà. Alors, je vous parle des incendies, les derniers en France, hein. On va rester sur les incendies actuels. Donc là, on a la tempête. Alors, attendez, hop. La tempête, la nécessité de trouver des solutions. Alors, je sais bien que c'est de l'eau. C'est de l'eau. Pardon, il y a du bruit, excusez-moi. Il y a de l'eau, donc on peut y voir aussi le fait d'éteindre les incendies, hein. Vous voyez, les réservoirs qui coulent. Et de se dépêcher d'éteindre les incendies. Ouais, bon, ok. D'accord. Alors, mais je voudrais savoir d'où ils viennent ces incendies. On va voir si on a la réponse, hein. Puis je vais essayer avec éventuellement avec le tarot aussi. Hein. J'aime bien mon tarot doré. Je ne suis pas spécialiste du tarot comme Margot, hein, qui est vraiment la reine du tarot. Mais j'aime bien mon tarot doré, puis je trouve qu'il sort bien. Alors, les incendies, qu'est-ce que je pourrais avoir comme information? Est-ce qu'il y a cause, voilà, naturelle, hein, ça peut arriver, ou bien autre? Donc on va regarder sur ceux que j'ai évoqués, les trois là en France. On va regarder. Alors. Ah, ça, c'est amusant quand même. Hein. Ça, c'est amusant parce qu'on a quelqu'un qui utilise une loupe ici, vous voyez, pour mettre le feu. Je vous dis, le jeu, il est extra. Là, c'est le temps passé. Donc des choses qui durent. Ok, on va continuer à retourner. Là, on a la fonte des neiges. Là, on a plutôt des parasites. Et là, on a quelqu'un que l'on essaie de faire sortir. D'accord. Alors, on va essayer de les prendre deux à deux, hein. Quoique là, j'ai un peu de mal quand même à voir. Quelqu'un qu'on essaie de faire sortir, à qui on donne les clés de la prison. Ah, d'accord. Alors ça... Intuitivement, d'accord, hein. Après, vous pouvez avoir d'autres interprétations. Mais moi, ça fait penser à des gens qui ont été remis en liberté et qui ont déjà été jugés, puisqu'on est sur les incendies, qui ont déjà été jugés pour ce genre de choses. Vous voyez, parce qu'on a quelqu'un qui a un masque d'ailleurs, hein, qui est en prison, donc des gens qu'on ne connaît pas, hein, mais à qui on va donner les clés. Donc moi, c'est des gens qu'on a fait sortir de prison.
Il y a la question de justice ici. C'est comme s'il y avait des peines de prison qui n'ont pas été faites jusqu'à la fin. Voilà. Par rapport à des gens ici, alors plutôt des gens jeunes, hein, qui ont mis le feu. Écoutez, franchement, la carte, elle est sortie comme elle est sortie. Je vous l'ai fait devant vous. Hein. J'ai choisi le tas parmi les trois. J'ai aucune idée des cartes qu'il y a dedans, puisqu'il y en a plus de 300, puisque j'ai encore acquis un petit jeu. Hein. J'essaie de rajouter des versions au fur et à mesure, puisqu'il y a plein de versions du Dixit. Voilà, donc on a bien quelqu'un d'assez jeune ici qui met le feu, c'est vraiment ça, avec une loupe. Donc je dirais, a priori, des gens qui n'ont pas fait les peines de prison, donc des gens qui sont déjà connus, et qui n'ont pas fait les peines de prison jusqu'au bout, pardon, qu'on a laissé sortir, et donc qui ont déjà, en fait, été emprisonnés à cause des incendies, et des gens plutôt jeunes. Bon. Alors, des gens plutôt jeunes, et voyez, regardez, on a les parasites que qu'on laisse sortir. Hein, ça, c'est des parasites qui mangent tout ce qu'il y a dans le frigo. Donc, des gens parasites, en gros, c'est ça. Alors là, on a la fonte des neiges. On va aller retrouver, enfin, recouvrir cette carte-là. Parce que, pour l'instant, je ne sais pas trop comment l'interpréter. Alors, la fonte des neiges, c'est le printemps. Alors, ça peut vouloir dire quand même que les incendies vont être éteints, hein, puisqu'on a de l'eau, si vous voulez, mais et que ça va repousser, donc ça c'est quand même une bonne chose, qu'on peut éventuellement replanter, voilà, ou alors ça peut simplement montrer qu'il y aura des informations intéressantes sur l'hiver à ce niveau-là, je sais pas trop, on va voir. En tout cas, ces quatre cartes-là, je les sens vraiment comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire des gens connus du système carcéral, donc des gens qu'on a fait sortir, qui n'ont pas fait leur peine de prison jusqu'au bout, qui ont déjà été condamnés pour les incendies, et plutôt des gens jeunes. Alors, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Bah, on va voir. Hein. Donc, a priori, première information, c'est criminel. Voilà. Avec ce long blabla, c'est là où je voulais en venir, en fait. Hein. Franchement, je me souvenais même plus que j'avais cette carte-là dans le jeu. Alors, on voit que c'est fait pour faire sortir des fantômes. Hein. Bon. Donc, je ne sais pas trop s'il y a une raison derrière ces incendies criminels, si c'est pour des raisons, que sais-je, de s'amuser ou autre. Mais bon, c'est un peu curieux. Alors, ici. Ouais, donc ça, c'est la carte de l'échec. Hein, j'avais déjà sorti précédemment. C'est une mauvaise décision qui a été prise ici de faire sortir, voilà. Les gens qui ont fait sortir les criminels de prison. Ça, normalement, c'est cette carte-là, je la sors souvent pour le QR code. On pourrait l'interpréter différemment dans ce contexte actuellement. Une pièce de puzzle qui manque. Donc, quelque chose qui a manqué pour faire en sorte que ces gens-là restent davantage en prison, par exemple. Il y a d'une part, il y a ça. Et d'autre part, ça peut vouloir dire aussi qu'on risque de ne pas savoir, parmi les gens qu'on a laissé sortir, quels sont ceux qui ont récidivé, puisqu'il manque une pièce du puzzle. Là. Hein, ça peut être ça. Oui, je sais bien, j'interprète les cartes comme je le sens, mais là, c'est la pièce du puzzle que j'ai vue. Donc, il manque une pièce. Donc, il manque vraiment un indice pour aller retrouver ces gens-là, pour les remettre en prison, quoi, en fait. Hein. Alors, ici... Ah, c'est drôle parce que généralement cette carte-là, je la sors sur Caligula. Je sais pas pourquoi elle sort tout le temps en ce moment. Pourtant, j'ai mélangé mes cartes. Bon, ça, c'est plutôt en fait un manque de maturité, je dirais. Hein, vous voyez, les cartes-là, on a deux jeunes gens, enfin deux ados plutôt. Donc, je dirais que c'est des sales gosses. Hein, voilà. Donc, c'est des gamins, c'est des jeunes qui font n'importe quoi. Je dirais que c'est ça, moi. Hein. Parce que là, cette carte-là, elle est vraiment sortie sur pourquoi est-ce qu'ils font ça. Par connerie. Que veut dire par connerie? Voilà. C'est vraiment ça. Hein. Donc, c'est la bêtise. La bêtise, la méchanceté, l'immaturité, tout ce que vous voulez imaginer. Criminalité aussi. Hein. Sensation de pouvoir, peut-être, tout détruire. Je ne sais pas exactement ce que ces gens-là ont dans la tête. Hein. Mais de toute façon, c'est des psychopathes, comme j'aime le dire. Hein. Ça, c'est la carte aussi que je mets en relation, comme encore une fois avec Caligula, qui est pour moi le psychopathe par excellence. Donc, des gens qui sont pas bien dans leur tête et qui veulent tout détruire. Alors, ici, ça, c'est la carte que j'ai sortie dans le jeu précédent. C'est amusant qu'elle ressorte encore avec les scandales. Donc, ça veut dire que sur l'hiver,
pourrais avoir des révélations à ce sujet-là, par exemple. Ça, ça peut être ça. Et là, les parasites, ouais, donc on a bien des annonces qui se font, mais à retardement. Ouais, donc on va en savoir un peu plus, à mon avis, hein, sur l'hiver, hein, par rapport à ces incendies, enfin, d'après ce qui sort. Hein. Bon. Alors, est-ce que ces gens-là vont être arrêtés? Parce qu'apparemment, il manque quand même une pièce du puzzle pour les identifier. Hein. Mais est-ce que par la suite, on va les empêcher de nuire? Parce que les incendies, il n'y a rien de pire. Hein. Quoique j'ai dit que ça allait repousser. Mais peut-être qu'on va simplement replanter ailleurs. Parce que normalement, quand c'est brûlé, il n'y a plus rien qui pousse. Espérons qu'ailleurs, on pourra replanter. Parce que si tout brûle, là, franchement, les conséquences vont être catastrophiques. Ouais, je vous dis, c'est des gens qu'on n'a rien à faire. C'est l'insouciance, hein. C'est les trois cartes qui vont dans le même sens. Hein. Là, on les voit mettre le feu sciemment, alors avec une loupe, peut-être d'ailleurs, c'est ce que c'est ce qu'ils ont vraiment utilisé, pour s'amuser même, éventuellement. On joue aux Indiens, et enfin, on joue aux Indiens, là. La psychopathe, donc des gens qu'on n'a rien à faire. Et là encore, l'insouciance. Ouais, bah ça a l'air d'être le fait de jeunes gens, hein, franchement. Hein. Et ici, il y a bien des choses cachées. Ouais. Donc, on va en savoir un peu plus par la suite. On aura révélation certainement de choses cachées, mais pas tout de suite. Par contre, je ne les vois pas être remis en prison, moi, ces gens-là. Est-ce qu'on va les retrouver? Non. On peut avoir des informations qui remontent, mais je ne les vois pas être retrouvées. Par contre, alors attendez, il faut que j'aille chercher un peu plus d'informations sur cette carte-là. Il y a plusieurs interprétations qui me viennent en tête. Ouais, non, là, c'est une nouvelle pousse. C'est pour moi, on va replanter, là. On va replanter. On ne va pas avoir le choix. Hein. D'ailleurs, ici, il y a aussi une forêt de sapins. Il va falloir se dépêcher de faire des plantations. Je pense que c'est ça. Donc, la question de savoir si on va retrouver ce genre-là, non. Apparemment, non. Mais on va avoir quand même plus d'indices. Je pense qu'on va trouver... On va trouver le fait que c'était criminel. Je pense que c'est ça. Par contre, savoir qui, je n'ai pas l'impression parce qu'il manque une pièce du puzzle pour aller le remettre la main dessus. Hein. C'est comme ça que je le vois, moi. Oui, en plus, ce renard montre bien une tromperie. Et ici, il y a une naïveté. Hein. C'est aussi une naïveté de les avoir fait sortir avant l'heure, on va dire. Ou peut-être d'avoir... comment dire, peut-être de ne pas avoir fait une peine de prison assez lourde. Enfin, il y a quelque chose comme ça, là. Mais par la suite, je vois juste qu'il faut se dépêcher de replanter. C'est plutôt ça que je vois, moi. On va essayer de revoir un peu des informations ici. Par rapport à ces jeunes gens. Ouais, c'est marrant, hein. On a encore un peu ici la méchanceté. Hein. La méchanceté. Vous voyez quelque chose que l'on emprisonne. C'est aussi la destruction. Ici, vous voyez l'espèce de petite créature ici. Attrape les oiseaux. Donc là, on attrape... ce qui vit, ce qui vole. Et c'est aussi... On détruit l'innocence, quelque part. C'est la destruction de la vie, pour moi. C'est la destruction de l'innocence. Donc, pour moi, c'est la volonté de nuire. Hein. C'est vraiment ça. On va essayer de revoir encore. Ah ouais, puis en plus... en plus, il doit y avoir des machineries. Pas des machineries, excusez-moi. Des minuteries, comment est-ce qu'on appelle ça? Oui, ça fait penser à une bombe, si vous voulez. Donc, il doit y avoir des espèces de machines. Alors là, on voyait quelqu'un qui utilisait une loupe. Mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait des choses qui étaient mises, qui étaient laissées là-bas. Donc, la personne serait partie. Et elle aurait laissé une espèce de alors, peut-être pas de bombe, je sais pas comment dire. Mais quelque chose qui va prendre feu après un certain temps. Ça me fait penser un peu à ça, moi. Pour ça, j'ai parlé de machinerie. Ouais, donc c'est vraiment prémédité tout ça. Hein. Bon. Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc ce serait plutôt le fait de jeunes qui veulent nuire. Leur motivation. Voilà, cherchez le mot. La motivation n'est pas claire.
C'est plutôt vraiment l'intention de nuire, donc la méchanceté apparemment. Mais ouais, la volonté de tout détruire, et c'est plutôt en fait des questions de psychologie. Hein. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont pas bien dans leur tête. Hein. La pyromanie, c'est une maladie. Hein. Ce serait plutôt ça, moi, je dirais. Hein. Voilà, on s'en fiche de tout, l'insouciance. Bon. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà, donc petit tirage rapide. Et puis, ben, je vais passer au tirage suivant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Puis, si vous voulez vous abonner, ça me ferait très, très plaisir. Parce que, apparemment, j'ai quand même perdu des abonnés. Pour une raison ou pour une autre. Alors, si c'est des abonnements automatiques, eh bien, ça me ferait très plaisir que vous recliquiez sur le petit bouton abonné. Sinon, ben, écoutez, vous regardez mes vidéos quand vous en avez envie. Il n'y a pas de souci. Je vous fais la bise et je vous dis à bientôt. Au revoir.